Bonjour à tous, donc bienvenue sur la chaîne de SpeedEasyCom. Donc aujourd'hui, on va voir en fait comment créer un compte publicitaire sur Facebook. Donc j'ai déjà fait un petit tuto là-dessus, il me semble, mais là je vais approfondir un peu plus la chose. Donc on va créer un compte publicitaire tout simplement pour son entreprise, donc pour Facebook. Donc avant d'arriver ici, la plupart du temps sur Meta Business Suite, depuis qu'ils ont fait les différentes mises à jour sur Mata, c'est plus comme avant. Donc moi pour y accéder, donc vous allez tout simplement sur votre page que vous avez créée. Donc bien évidemment, j'ai un tuto, je vous le mettrai dans le lien. Pour comment créer sa page Facebook. OK? Donc, j'explique tout. Donc, une fois que la page Facebook, elle est créée, vous allez avoir votre Facebook à vous qui va apparaître. OK? Ça, il n'y a pas de problème. Votre Facebook apparaît et vous allez avoir la page Facebook qui apparaîtra sur votre droite. D'accord? Ce que vous allez faire, c'est quand vous allez cliquer sur Meta Business Suite, donc vous tirez dessus. Et nous, ce qu'on veut, c'est apparaître sur cette page-là. OK? Qui permet de vraiment paramétrer l'entreprise. Donc, vous allez aller dans tous les outils. OK? Moi, c'est l'astuce que j'ai trouvé pour basculer dessus rapidement. Vous faites par exemple gérer les gestionnaires de publicité. Donc on s'en fout, hein, si vous avez là-dessus pour créer des pubs, vous n'en avez jamais fait, donc ça va vous amener là-dessus. Ce que vous faites, c'est paramétrer l'entreprise. OK, les paramètres de l'entreprise. Et ici, vous avez écrit compte publicitaire. OK, donc les utilisateurs, pareil, si vous voulez travailler avec des gens, vous pouvez les ajouter ici. OK, vous faites ajouter, vous mettez le mail du gars, vous mettez que c'est un accès employé ou admin, et en fait, vous l'envoyez, il reçoit un lien. D'accord, bien évidemment. Ici, ce sera juste si vous voulez rajouter un utilisateur, par exemple, si vous avez créé votre page et tout ça, et vous travaillez avec une agence, par exemple la mienne, vous travaillez avec SpeedEasyCom, moi je vous donnerai le mail de SpeedEasyCom. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais recevoir un lien pour justement m'activer. Vous mettez des droits, par exemple, d'employé ou d'administrateur pour que je puisse vraiment tout gérer de A à Z en administrateur. Et là, en fait, il n'y aura pas de souci, j'apparaîtrai dans vos clients. D'accord? Donc, une fois que ça c'est fait, vous verrez apparaître mon nom, SpeedEasyCom, comme ici, pour que je puisse gérer tout ça. OK? Donc là, du coup, pour créer le compte, vous allez aller dans compte publicitaire ici. OK? Vous allez faire ajouter. OK? Et là, vous aurez juste à créer sur compte publicitaire. OK? Donc après, moi, je change, je vais mettre là-dessus plutôt. Hop. Hop. Voilà. Et une fois que vous l'avez fait, vous y aurez accès et vous pourrez créer un compte publicitaire sans aucun souci. Vous allez ici. Donc, soit vous demandez l'accès à un compte publicitaire si vous avez un client et vous voulez le faire, vous cliquez ici. Et sinon, vous le créez, vous cliquez ici tout simplement. D'accord? Et une fois que ça vous le créez, ça va vous demander votre nom, votre prénom, et ça se fera tout seul. D'accord? Donc là, quand vous êtes dans le compte de publicitaire, pardon, vous faites ajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, créer, changer de compte pour que ça puisse passer. Là, vous mettez le compte publicitaire en question. D'accord? Donc, le compte publicitaire, par exemple, si vous mettez votre shop, hein, donc là, on va faire. Comme si je mettais un compte publicitaire de SpeedEasyCom. Tac, SpeedEasyCom. Ça, c'est le nom. Vous choisissez le fuseau horaire en fonction de votre pays. Vous mettez la devise et vous faites suivant. Là, on dit ce compte publicitaire sera utilisé pour My Business, donc Keops Audio, ou pour une autre entreprise ou un client. Moi, je veux dire pour une autre entreprise ou un client, ou pour le vôtre, c'est vous qui voyez. Mais là, c'est histoire de Kit CRM. Hop. Non, on va mettre plutôt Usine ID. Alors, l'ID de SpeedEasyCom, c'est quoi déjà? Ah, bougez pas. Donc, pour trouver les IDs, il faut aller dans. Hop, je vais fermer ça. Alors, SpeedEasyCom, son ID, c'était. Hop. Donc, l'ID, hop, je l'ai. Du coup, je repars sur ajouter, tac, créer, tac, on dit SpeedEasyCom. Vous collez votre ID ici. Voilà. Vous faites créer. Donc après, il s'occupe de tout, hein. Tout ce qui est en train de se faire, voilà, créer. Donc ça dit que moi, je donne les pleins pouvoirs à Kizo Kizo. Hop, il récupère tout. Moi, je veux qu'il puisse tout gérer. Tac, vraiment tout. Et je fais affecter. OK, ajouter des informations de paiement, ça, vous pouvez le faire après. Donc les informations de paiement, c'est justement pour payer les campagnes, hein, OK? Donc vous rajoutez tout simplement votre carte bleue, vous faites ajouter une information de paiement. Moi, je vais pas le faire. Maintenant, mais vous choisissez la France, Europe, bon, par rapport à votre pays. Vous faites suivant. Là, il va vous demander du coup vos cartes bleues, tac-tac, ou PayPal ou les banques en ligne. Ça, je vous conseille pas parce qu'en gros, c'est un moyen de paiement en mode
en mode rib, d'accord? Donc c'est pas ouf. Moi j'ai déjà testé, c'est une galère. Parce que je sais qu'il y a certaines cartes bleues qui ne passent pas. Maintenant, si vous êtes sur N26, Revolut ou les cartes traditionnelles, normalement ça passe. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Les comptes PayPal, c'est pareil. Pensez aussi à mettre à l'eau, parce que des fois les gens ne pensent pas, ils ont un compte PayPal, et ils font pas gaffe que peut-être que la carte bleue elle est périmée. Des fois, ça plante, donc il faut changer régulièrement. Et en fait, maintenant sur PayPal, vous pouvez choisir si cette carte ne marche pas, je prends la deuxième carte. Si celle-là ne marche pas, je prends la troisième carte. Et ça vous permet en fait de jamais être embêté. D'accord? Donc voilà. Après, si vous avez un crédit publicitaire, vous le mettez. Okay, et vous faites suivant, et après vous mettez votre carte bleue, et etc. etc. Moi, je vais pas le faire, d'accord? Ça m'intéresse pas. C'est juste pour vous montrer, c'est pour la démonstration, donc je vais pas taper ma carte bleue pour le fun. Mais voilà. Et de toute façon, si après, plus tard, vous voulez le mettre, hein, vous avez des possibilités de le rajouter, tout simplement dans moyen de paiement. Ok? Et en fait, dans moyen de paiement, vous avez, voilà, moi, mes cartes bleues sur l'échelle pour mes autres business, et après, vous le mettez. D'accord? Donc voilà comment on crée en fait tout simplement un compte publicitaire. Donc vous voyez, il est ici. Donc je gère le compte publicitaire en question. Là, je l'ai fait pour parce que je gère ma propre boîte. En fait, c'est histoire de vous montrer pour la démonstration. Mais si c'était vous, faites pareil. Vous pouvez encore en créer une autre. Mettez le nom en question et vous faites que c'est pour tel et tel shop. D'accord? Donc je vous le montre. Maintenant, la deuxième méthode, là, c'était pour si je voulais traiter la chose de quelqu'un. Donc là, je mets nom du business comme à nouveau, mais je vais mettre deux cette fois à côté. Je fais suivant. Là, je dis que c'est pour mon business qui est Ops Audio. Tac, tac. Je fais créer. Hop. Tac, 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 tac. Oui, parce que j'ai déjà plusieurs comptes comme ça. Donc, on va mettre, bah, tout simplement Flo. Florent. Allez, Florent. Bonne oh. Suivant. Allez, mon petit. J'ai atteint le maximum, c'est tout simplement ça. Pour le moment, j'ai droit à 3. Donc en fait, sachez que là, j'ai atteint les 3, mais après, vous avez vu, vous pouvez en ajouter plusieurs par la suite. Dès que vous pouvez, ajoutez-en, d'accord? Donc je ne pourrais pas vous montrer l'autre méthode, ce qui ne voudra pas, même si je mets flou. Ça va bloquer parce que j'ai atteint trop de seuil. J'ai atteint le seuil, j'ai atteint le seuil. Ouais, ça, j'ai atteint. Maximum, le nombre maximum de comptes alloués pour votre business, votre nouveau business. Donc c'est pas grave. Donc vous avez bien compris comment ça se passe, ok? Et vous rajoutez le compte et après il n'y a pas de souci derrière, d'accord? Et ça vous permet d'avoir un compte publicitaire assez facilement. Et après si vous voulez connecter vos pages, c'est ici, les différentes pages. Donc là pour trouver la page, vous tapez ici votre page, vous faites ajouter, vous faites soit créer une page, je n'ai jamais créé de page, soit vous faites ajouter une page existante. Là par exemple si je tapais SpeedEasyCom, ben, vous allez avoir SpeedEasyCom qui va apparaître. OK? Et je peux connecter la SpeedEasyCom qui est ici. OK? Bon, là, c'est parce que j'ai déjà revendiqué sur un autre shop. Donc, forcément, sur SpeedEasyCom basique, sur notre compte. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas le faire. Mais en tout cas, voilà. OK? Une fois que vous avez créé votre page Facebook, vous avez juste à taper en haut le site dans les pages pour qu'il puisse vous le mettre. D'accord? C'est très, très simple pour quémander. Pareil pour Instagram. Si vous avez créé le compte Instagram, vous allez ici, vous faites ajouter. Là, il va vous expliquer deux, trois infos. Associer un compte Instagram. Là, il va vous faire partir sur Instagram. À vous de vous connecter. OK? Donc, on autorise des cookies. Il va vous demander de vous connecter. Moi, il y a SpeedEasyCom, ainsi de suite. Mais j'ai déjà revendiqué sur un autre shop. Donc, moi, ça ne servira à rien. Mais une fois que ce sera fait, vous le verrez apparaître après, par la suite, au niveau d'ici, le compte Instagram. Alors, ce qui est bien, c'est que quand vous associez ici le compte Instagram, parce que je ne vais pas refaire une vidéo spécialement pour ça, parce que c'est trop court. Mais quand vous voulez associer le compte Instagram, du coup, quand vous allez faire vos publicités sur Facebook, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va envoyer automatiquement sur Insta en même temps. Donc, c'est plutôt pas mal. D'accord? C'est plutôt cool. Donc, voilà. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, c'était surtout pour voir comment créer un compte publicitaire sur Facebook. D'accord? Donc, Facebook Ads et comment après le manager derrière. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker fort, fort, fort la vidéo. Et à partager si ça vous a plu. Je vais essayer de vous faire plus de vidéos cette semaine parce que j'étais très très pris actuellement pour notre business. Donc en espérant que cela vous plaise et je vais vous faire d'autres tutos pour vous aider à avancer dans vos business respectifs. D'accord? Allez, ciao ciao à tout le monde. Merci encore et plein de bonnes vibes à vous. Ciao ciao.